Zip. Je courais partout. Elle est où? Elle est dans sa chambre. Mais on vient de rentrer, tu veux pas lui laisser 5 minutes encore? Non, non, il faut que j'y aille vraiment. Alice, viens, maman est pressée. Je peux pas te servir un café en attendant? Non, vraiment, là, il faut que j'y aille. J'ai un autre rendez-vous derrière, donc le plus vite on part, le mieux c'est. Mais si. Allez, Alice, range tout ça, on y va. Tu penses, c'était à cause d'un meeting que tu pouvais pas aller la chercher à l'école parce qu'elle a attendu une heure dehors, là, quand même. Ouais, bah bien sûr, c'est à cause d'un meeting. Je m'enchaîne plein, 8h, 18h, là, je peux plus en ce moment, c'est. Mais du coup, tu penses pas que ta vie professionnelle, elle commence un peu à impacter ta vie personnelle en ce moment? Non, ma vie professionnelle, elle est là pour servir ma vie personnelle, en fait. Mais ouais, mais bon, là, ça fait 4 fois que ça se passe, ça commence à faire un peu beaucoup. T'es en train de me donner des conseils sur ma vie, là? Non, mais je suis juste en train de te dire que quand c'est ton week-end et que t'arrives une heure plus tard et que tu ne préviens pas, et ben elle attend toute seule dehors et puis ensuite il y a le proviseur qui m'appelle et c'est toute une affaire, etc. Bruno. Tout ce que je fais là, c'est pas par plaisir, hein, c'est pour vous. Donc il va falloir que tu sois un petit peu compréhensif aussi. Si j'arrive en retard de 30 minutes, c'est pas la mer à boire. Tu sais très bien quelle est ma vie. Toi, t'es là à la maison, tu peux très bien prendre 30 minutes sur ton temps et puis c'est bon, quoi. Ah, du coup, c'est moi qui dois prendre 30 minutes sur mon temps et être conciliant et puis toi, tu fais ce que tu veux. Au début. Au tout début, quand on a fait tout cet engagement-là, ouais. Moi, j'avais de la carrière, toi, tu t'occupais de la fille, et c'était censé rester comme ça, hein. Mais bon, il y en a un qui a décidé que ça ne lui suffisait pas. Ah, mais c'est toujours la même chose, madame, elle veut tout, elle veut la carrière, la gloire, au final, t'es quand même assez égoïste dans cette histoire. Moi, égoïste? Ouais. Regarde-toi un peu. Ah c'est ouais, toi qui ah, d'accord. De tout ce luxe. Moi, j'ai un vieil appart en ville, plein de bruit, je ne dors plus la nuit, et toi, tu es monsieur égoïste. Non, mais c'est bien que tu dormes pas la nuit, parce que moi, je dors seul, dans le meilleur appartement du quartier. C'est vachement cool, mais j'ai un lit froid. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette situation, hein? Tu sais ce qui est froid, Bruno? Toi, tu n'as jamais, jamais, jamais osé te demander comment est-ce que je pouvais me ressentir dans tout ça. Encore une fois, toujours tu profites de tout, tout le temps. Moi j'en peux plus, moi je porte, les enfants, je porte. Même là, regarde, c'est le bordel, il y a des trucs qui traînent partout. En fait, tu sais juste pas t'occuper de ta fille, tu sais pas assumer tes responsabilités, t'as pas su. Ta gueule! Il te reste ta fille, tu vois jamais! Ma fille que tu sais qu'à chaque fois que tu la vois, elle se plaint, tu bosses pas de temps avec elle!